Salut tout le monde, c'est Ramaros, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Monster Hunter Sunbreak et aujourd'hui on va affronter la Rakna Kadaki de feu avec la Morpho H en compagnie de Z qui jouera Katana, sachant que mon stuff est vraiment pas optimisé donc ça vaut pas trop le coup de le montrer. Et donc on est parti. Ah, énorme. Sauf son fils. Ouais. Bon, pour l'instant, ça ressemble à une Rakna Kadaki de base. Hein. Ah. Il y a peut-être plus d'interaction avec les petites araignées là. Ah, c'est bizarre. Oula! Oh, stylé! Oh, incroyable! T'as vu? Ah, ouais, comme. Une sorte de poudre à canon là. Intéressant. Ah, elle est bien grosse celle-là. Oui. Ouais, elle est immense. Wow. Bon, du coup, le skin change un peu, c'est un peu plus rouge, mais. Mais rien de. Un peu noir, hein, les noirs. Alors, ça, ça change pas énormément. Rouge et alors, noir. Qu'est-ce qui est fait de beau là? Ok, elle balance ça. J'ai l'impression qu'elle utilise plus des attaques avec. Avec les petits. Racnoïde. Ah, saloperie. Et déjà, ça explose. Et... Ah, souffle de feu. Oui, oui, je confirme. Oh, regarde, regarde. Je faisais pas ça avant. Okay. Je crois que non, c'est... Si. Si non, c'est je crois qu'elle le faisait déjà. Parce qu'elle avait déjà certains pas comme ça, donc... Ça, c'est stylé. Ça le faisait pas. Donc ça, c'est la nouvelle attaque. Et voilà. C'est tout. Ouais. Non, je déconne. Bon, on va voir, mais ouais, les nouvelles attaques sont marrants. Yeah, ouais. Ah, et par contre, ouais, il y a beaucoup plus de rachnoïdes. Et t'as vu, ils viennent à côté de toi et en fait, ils explosent. T'as vu, regarde lui. Ah, regarde, il arrête pas de me suivre et il explose après. Ah oui, on les voit qui. Comment dire. On peut pas les tuer. En fait, est... Attends, je vais regarder. Ah, mais ils meurent pas en fait en... quand elle les fait exploser. Ah. Ils explosent, mais ils prennent pas de dégâts, je crois. Par contre. Je crois qu'on peut les tuer. Oui. Mais bon, de toute façon, elle leur fera spawn d'autres, donc. Ouais, en fait, elle utilise beaucoup plus les arachnoïdes et tout que celle de base. C'est sûr. À part ça, ça a pas l'air de changer grand chose. Oh là, ben, j'ai fait mal. Wow. Alors, on focus quoi sur cette grosse. Saloperie là. Pour rester alors poli. Je dirais en tout cas je l'ai paralysé. Le monde s'en souviendra. Je sais pas si elle va s'enduire de toile comme elle comme faisait ah, ça. Ah ouais. Oh elle fait en quoi général. Là. Attends attends c'est quoi ça. Ouh explosion de zone ok. Putain. En tout cas elle prend beaucoup de dégâts hein. Elle a pas d'armure en fait. Elle a pas le. Ouais, le cocon, le. Après, le cocon prenait. Oula, qu'est-ce qu'elle fait. Oh, Justin. Ouh. Bah non, regarde, me crame la face, je suis mort. Ah non, je vais essayer de la stun, mais trop tard. J'ai pas de poudre de vie sur moi là. Oh non. Aïe, aïe. Ouh, ouh. C'est bon. Je survis. Je survis. Ah, c'est marrant ces petites attaques. Avec le fil. Et l'explosion qui avance là sur le fil, j'aime bien. Ça fait vraiment genre le fil de dynamite en fait. Là, je trouve que c'est sympa, mais je sais pas le si fil c'est de... le fil de démolition quoi. Comment ça s'appelle déjà si... Quoi, une mèche peut... Ouais, peut-être la mèche, ouais. Wow. Ça me croit pas non plus. Tellement... Ah, elle est en mode vénère. Alors, elle fait quoi de beau là. Voilà, je fais toujours la même chose. Bon, c'est pire. Toujours la même chose, elle spam. Bah, elle spam la salope. Oula. Ah. Oula, y a ton chat qui. Ton chat avec le baril. Non, ah, franchement, il carry. Ah, allez. Ah, mais elle recule quand je fais mon attaque ultime. Oh, ouh. Ok. Ça brûle. Oui. Wow, wow, wow. Attends, mais c'est un scorpion ah, ou quoi la tête en arrière.
Ouais, y'a de la tête en arrière. Vu, elle est bizarre. Fuck. Pas trop fan des insectes. Alors, les araignées. Oula. N'est-ce pas que Xeno? Un Grounded. Oui. Ah bah voilà, Grounded. Hop là. Ah bah on lui a pété. On l'a... Ah il faut focus quoi, la tête là? La tête ouais. Ouais. En avant. Oh c'est une girafe le truc. Putain, bien sûr je manque tout. Putain, chier. J'ai tout manqué. Je t'ai écouté. T'inquiète pas. On est habitué. On peut... on peut aller choper le rata, non? Allez, le rata. J'ai l'impression d'être dans Amtaro là. Amtaro, t'as jamais regardé ça, tu es trop vieux. Amtaro, les hamsters. Le petit hamster. Ça me permet de remonter mes lames sur lui. Sauf si cet enfoiré se barre, bien sûr. Attends, oh, il se barre? Oui. Oui, il se barre. Bon, bah, ça c'est fait. Ah oh, stylé du coup, elle a mis un... Waouh, c'est énorme. En plus j'aime bien, tu vois, à l'intérieur ça pulse un peu. Ouais, exactement. Ah, c'est un peu dégueulasse, mais c'est stylé. Ouais. Bon, il faut que le cocon, je suppose. Ouais. Oh, les dégâts que tu fais. C'est le ratin. Ouais, je sais. Quoi? Ah bah voilà. Ça c'est fait. Ok. Bon, y a pas de coquillage dans le coin. J'en doute. Ah, en fait, elle peut vraiment bouger son cou. T'as vu? Ah, un peu comme une. Au contraire de la. Celle de base, en fait. Par contre, je fais n'importe quoi là, on s'en fout. Hop, voilà. Voilà. Et un dernier petit coup. Et voilà. Oh, nickel. Et nickel, mon cher. Hop là, nickel. Ok, le cocon est pété, on peut lui taper la tête. On peut aussi taper derrière. Je suis mal placé. Oh non, la patte. Boum. Elle remet son cocon. Elle remet son cocon, ouais, comme celle de base. Ouais. On peut lui péter une chélicère, hein, t'es l'espèce de patte. Patte avant. Oui. On peut lui péter. Pour avoir le matériau. Putain, j'ai fait l'esquive. Et... ça me fait marrer. Les patterns sont marrants. Ouais. T'as vu. Et bon, j'ai juste l'impression de comment dire, d'affronter la version améliorée de la Ragnakaneki de base. Oui, c'est cool, tu vois. Mais... je vais balancer la bombe nucléaire. Oh, elle fait un truc là. Elle fait quoi là? Oh, elle fait quoi? C'est une explosion. Oh, je l'ai dodge. Et la bombe nucléaire, bouge pas s'il te plaît. Mets trop de temps à exploser ce truc hein. Vite. Ouh, boum, en plein dedans hein. Bien joué. 750 de dégâts. Ça fait plaisir. Ah, la portée qu'elle a. Peut-être crever. Ok, je ne crève pas. Ah, c'est marrant l'attaque ultime là. Ouah, elle en balance plein hein. C'est stylé mais en vrai pas si compliqué à esquiver. Non, c'est pas très compliqué à esquiver. Mais c'est marrant. C'est le principal, le fun avant tout. Ouah, je l'ai bien défoncé là. Ouh la lightbox par contre. Oh non, le feu. Non, ah, ça le fait feu. Très mal le feu, fais gaffe. Oh là là, le feu ça brûle. Effectivement. La drogue c'est mal. Drogue c'est mal. Voyons. Okay. Ok. Bon. Bien joué. On a cassé qu'un truc, hein, il me semble. Je sais, on a cassé quoi? Une patte? Ouais, on une a dû patte. Casser un truc, je sais plus quoi. On est où là? Du tout. Ah là-bas, par là-bas. On va essayer de la capturer. Ouais, essayons de lui péter la tête d'abord, peut-être. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu le strict minimum sur les chasses, de péter la tête. Aïe. Oh.
va gueuler. Aïe, elle fait mal. Oh, il se passe quoi? Non, non, bouge. C'est pas bon, c'est pas bon signe ça. Ah, elle fait son attaque ultime. C'est marrant. C'est plutôt cool. Elle le fait souvent, hein. Mais c'est pas compliqué à esquiver comme tu dis. Bon, ah, c'est quand que je la paralyse là? Ah, tu l'as pas encore fait? Si, mais une seule fois. Ah oui. Pas beaucoup. Après, elle doit avoir un signe à toute résistance. Ouah, ça fait mal. Un seuil de tolérance assez haut. Moi. Elle bouge beaucoup. Oui. Et le feu. Boum. Oh, c'est pas bon ça. Bien joué la paralysie. Voilà, nickel. En fait, mon attaque sautée, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait plusieurs dégâts. J'ai l'impression qu'elle a plusieurs parties indépendantes, tu vois. Elle a plusieurs hitbox. Bah non, l'attaque sautée, elle fait une. Elle fait des dégâts quand elle touche, quand elle explose. Ah, mais là, l'explosion, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a plusieurs hitbox en fait. Oh, regarde, ils ont mis de la toile partout. C'est mignon. Ah, oh, bah non, c'est parti, merde, ils ont mis de la toile. La toile orange par terre. Allez! Ok, ça touche. Ah, saloperie, non. Ouf! Oh ma vie. Oh, j'ai eu chaud. Ça a même pas proc le revive, j'avais un point de vie. J'ai beaucoup de luck. Deux pourchasses. Oh ouais, après, heureusement que t'as pas été cramé, parce que sinon. Ah, mais non, j'ai esquivé là. Le feu. Le feu. Elle a beaucoup de vie. Plus cool que... Elle est plus cool que la Rachna de base en vrai. Ouais, je sais pas, je sais pas. Mais ah. Putain je... Non, elle est pas plus cool. Ah quoi? Putain. Pardon. Aïe aïe aïe. L'énervement, l'énervement. Ah, je trouve que la Rachna est bien aussi de base, j'ai pas vraiment de préférence. Aïe. Je suis la version améliorée, mais. Putain, ce pattern, elle te suit deux fois d'affilée, t'as pas le temps de te relever. Non! Ok, c'est bon. Quel enfer. Ah, le pattern est marrant, elle est marrante, mais. J'aime bien la Rachna de base aussi. Pas vraiment de préférence. Elle balance son gros truc là. Oh non, je vais cramer! Non, c'est bon. On est dans un couloir là, ça craint. Elle se barre. Comment est-ce que je rejoins? Elle se barre. Bon, elle est toujours pas au bord de la mort. J'ai chopé un paralysie crapaud. Peut-être. Ah, pas mal. En faire usage. J'ai atterri où moi? Après, ouais, je trouve que le combat est pas passionnant non plus. Non, il est pas dingue. Je suis d'accord. Pas la folie. C'est pas la Stalos là. Hein. Ah non, le même niveau. C'est pas les spinas. Ah, y'a un Magnamalo. C'est tout. Attends, je vais prendre le Magnamalo parce que je peux pas passer à côté là. Vas-y. Tellement de dégâts le Magna. T'as raison. Ah, mais il se barre là. Reste là s'il te plaît. Ok, c'est bon, je vous ai retrouvé. Ne bouge pas s'il te plaît. Ah, mais elle est rouge en fait là, la Rachna. Ouais, je crois qu'elle a monté. Je suis monté. Je suis monté. Ah, araignée pantin. Non! Mais non, mais je vais pas crever à cause du magna! De marde! Mais bouge! Ouf, merci. Il a sauvé la vie. Ah non, il m'a pas touché, mais. Allez. Je te laisse le monter, hein. Yes! Ah bah vas-y, bien. Voilà. L'explosion qui me fait monter. Alors. Let's go. Let's go. J'arrive, alors faut passer par où dans ce labyrinthe là? Ici en haut là où je suis. En fait, le plus compliqué. Ah bah attends, je vais l'attaquer là. Ouais, je vais. Le plus compliqué avec elle, c'est qu'elle a beaucoup de vie en fait. C'est un peu un sac. Sac à PV. Ah, je lui ai piqué un truc. Il fait deux parties seulement. On lui a pété. Ah, elle est bien tanky quand même. Hein.
Elle a l'air de rien comme ça, mais elle a beaucoup de vie. Après, on a une version bien grosse aussi. Hein. Plus ils sont gros, plus ils ont de vie. Ah bah voilà, tiens, bord de la mort. On essaie quand même de péter la tête, si tu veux. Ouais. Je vais mettre elle est dégueulasse, cette tête, là. Ah, c'est galère quand même de toucher la tête. Bien joué. Ah bah on lui a détruit des trucs. Incroyable. Oui, c'est quand sa toile se pète, en fait. Sa toile, pardon. Ah, nice. Sa soie. Ah, par contre, la tête, elle veut pas. Hein. Ok, ah. Nickel. J'ai une araignée pantin aussi. Je vais la foutre dans on le mur. On peut péter les chélissères, là. Oh, nice. Pourquoi elle s'est pétée, mon araignée pantin? Ah, parce qu'elle est paralysée. Attends, quoi? Je l'ai paralysée 3 fois. Let's go. En même temps, allez, là, tellement allez, loupé. Allez. Ah, oh, bah, nickel. L'explosion qui l'a fini. Bien joué. Bien joué, bien joué. Arachnakadaki de feu. On n'aura pas réussi à péter la tête. Ah, quoique, non, en fait, non, peut-être pas. Elle est dégueulasse, sa tête. Ouais. Ah, bah, c'est une araignée de marde, hein. C'est vrai. Ah, regarde ses yeux, elle a comme des yeux de mouche. Ouais, je sais pas. Tu sais, les yeux avec plein de petits. Oh. Ah, et là, bah, les araignées, ça. Ça a plein d'yeux. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser au film La Mouche, là, qui est dégueulasse aussi. J'ai pas vu ce film. C'est pas, il y a un mec qui se transforme en mouche. Vous voyez, c'est ça. Ah putain, super. Un vieux film, mais. Ah, j'aime beaucoup les films d'horreur et tout. Hein. Ah, tu es très versé horreur. J'aime beaucoup les films d'horreur, mais lui, il est bien crade, quoi. C'est un vieux film, en plus, c'est un film français. Un film français. Alors, est-ce qu'on a des loots rares? Bon, pas passionnant. Franchement, le fight est pas passionnant. Ouais. C'est clairement pas le monstre le plus intéressant. Et rien. Rien de rare, ok. Rien du tout. Alors du coup, l'armure Kadaki de feu. Alors, est-ce que le skin est bien? Ouais, bof. Moi, c'est comme le skin de Yurakna Kadaki en rouge, en fait. Ça va pareil, ouais. Au niveau des talents, corps et âme. Oui, destruction massive. Ouais, pour l'explosion. C'est un peu aux F1, tout ça. Dompteur de philoptère, c'est très bien. Morphose, ouais. Ah, le reste est pas. Ouais, c'est pas la folie. On va dire que c'est pas l'armure du siècle. C'est anecdotique. Hein. Ouais, c'est anecdotique. Alors, on va checker, peut-être qu'il y a des armes sympas, mais bon, à tous les coups, ça va être des armes de feu, hein, c'est logique. Ouais. Alors, feu. Ah ouais. Tu me dis si tu trouves une arme. Hein. Ouais, je te dis. Pour l'instant, je vois rien du tout. Bah, alors, le grand épée, je crois qu'il y en a pas. Ah, je n'ai pas vu. Longue épée, j'en ai pas vu. Je vais partir en morpho. Vas-y, parce que là, trois premières armes, j'en vois pas. Il doit bien y avoir des armes quand même. J'en vois pas quoi, je vois pas les. Morpho H. C'est quoi le nom en fait de l'arbre? Parce que je. Bah, je sais pas, je l'ai pas encore trouvé. Bah, pour l'instant, j'en vois pas. Hein. C'est peut-être l'Anjanat. Mais comme on n'a pas encore débloqué la rareté. C'est peut-être genre la rareté 9 de l'Anjanat. C'est peut-être, tu vois, un truc dans le genre. Ouais. Ça permet de débloquer une certaine arme. Mais il n'y a pas d'arbre spécifique. Attends, je sais qu'il y avait une Voltoash, c'est sûr, il y avait une Voltoash. Je vais voir. Ok, Arachnakadaki de feu, donc il y a une Voltoash. Ah d'accord, ok. Et donc Morpho, j'en ai pas vu. Élément explosif. Ah, explosif, ok. Ah, du coup, ça m'intéresse un peu plus. Ouais, c'est pas juste du vieux feu. Volto. Alors, c'est où? C'est vers le bas? C'est ah non, c'est bon, j'y suis. Du bas, je crois. Ah, le skin est cool. T'as vu la Volto? Ouais, bah, je l'ai bien. Vu. Ah, c'est pas mal. Bon, bah, du coup, j'ai pas trouvé de morpho, j'ai pas trouvé de grande épée. J'ai pas non plus trouvé d'épée bouclier ni double lame. Ah, t'as pas trouvé de double lame, je vais. Peut-être qu'il y a un marteau à tous les coups. On va essayer de trouver une dernière arme. C'est un peu décevant. Ouais, bah, l'armure, ouais, les talents sont vraiment pas ouf. Ils sont pas ouf, ouais. C'est anecdotique, on va dire. Après, moi, j'aime bien le skin féminin parce que ça, c'est une mariée. Mais à part ça, le skin. Bah, je préfère limite le skin blanc du coup.
Ouais, en vrai, ça fait plus marié. Le skin rouge fait très espagnol en fait. Danse hispanique. Je vois pas de marteau. Ah bah, j'ai pas trouvé de marteau non plus. Y'a que dalle comme arme, c'est honteux. Attends, on a trouvé qu'une seule arme ? Ouais, pour l'instant, ouais. Ah, y'en a vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai checké la lance-canon. Tous les coups, y'a une lance-canon, c'est pas possible. L'arme de l'arme d'explosion, c'est pas possible qu'il y en ait pas. C'est un peu triste hein, pour l'instant. Oui. C'est un peu. Ok, il y a un lance-canon de l'arachna de feu. J'ai trouvé un arc. Eh, la lance-canon est pas mal, franchement. Standard niveau 6. Ah, pas dégueu, 6 hein. Ouais. 30% d'affinité en plus. Hein. Avec plein d'emplacements, explosifs, tranchant moyen. Ok, on a enfin trouvé un truc bien avec ce monstre. Ouh, l'arc a l'air bon, hein. 30 d'explosion, 20 d'affinité, 2 emplacements de joyaux 2, tir chargé, perforant 5. Ah, c'est pas mal. Un gros joueur d'arc. On a trouvé des trucs bien. Ah, peut-être que je me crafterai la lance-canon du coup de l'arachna de feu. Voilà, du coup, c'était la chasse de l'arachna Kadaki de feu. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, portez-vous bien, jouez bien, et peace!